Salut à toutes et à tous, alors ça fait presque 3 mois que je n'ai pas parlé dans mes chroniques d'une entreprise. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, revenir sur l'histoire d'une de ces très grosses sociétés japonaises du jeu vidéo, Namco. Alors Namco vient de fêter ses 60 ans d'existence, elle a reçu dans les années 80 un produit à une multitude de jeux qui sont devenus cultes. Namco sera un gros concurrent en arcade face à Sega en construisant eux aussi leur propre système. Mais la société trouvera dans la Famicom et la NES un support important qui fera d'elle un de ses leaders sur le marché vidéoludique à côté de Nintendo, Konami, Taito ou Capcom. Nous verrons que dans les années 90, Namco perdurera en créant des jeux innovants, puis comment la société est passée en 2005 sous le giron de Bandai, devenant une holding que l'on appelle désormais Bandai Namco Entertainment et produisant toujours d'excellents titres. Fans de jeux vidéo, vous avez sûrement joué à un jeu Namco dans votre vie, Pac-Man, Galaga, Xevious, Soul Calibur, Tekken ou Ridge Racer. Derrière chaque jeu vidéo se cache une grosse entreprise japonaise. Revenons ensemble sur l'histoire de Namco. Alors comme toute bonne vieille entreprise japonaise, Namco a été créée il y a bien longtemps, la plupart d'entre nous n'étaient même pas nés, et Namco ne commence pas par la production de jeux vidéo, un peu comme la société Sega, les deux entreprises, on va le voir, ont des histoires assez similaires dans la conception de systèmes d'arcade, des jeux portés sur console, sauf que Sega, eux, produiront des consoles, et pas Namco. La société est donc fondée en 1955 par Masaya Nakamura, sous le nom de Nakamura Manufacturing Limited, à Tokyo, et commence par produire des chevaux mécaniques pour des manèges pour les grands magasins. Comme Nintendo qui signe un contrat avec Disney pour produire des cartes à jouer Disney, Namco fera de même en 1966, eux fabriqueront des manèges à l'effigie des personnages Disney. C'est en 1971 que la société change de nom pour devenir Namco, en reprenant les lettres NA de Nakamura, M de Manufacturing et CO de Company. Namco va véritablement faire son entrée dans l'industrie vidéoludique en 1974, quand Atari décidera de se séparer de sa branche au Japon, et c'est Namco qui en fait l'acquisition pour quand même 500 000 $. Sega, constructeur de flippers et de quelques jeux d'arcade, était sur le coup mais ne l'a pas emporté. Namco prend aussi les dettes d'Atari Japon, mais surtout l'exclusivité de distribuer les jeux Atari au Japon pendant 10 ans. Rapidement, une filiale à Hong Kong est créée ainsi qu'aux États-Unis. Il faudra tout de même attendre 1978 pour que Namco produise son premier jeu vidéo en arcade, nommé Biggie, qui aura deux suites, Bombi et QTQ, en 1979. Namco va d'abord connaître un certain succès avec le jeu Galaxian en 1979, qui révolutionnera le jeu vidéo en étant le premier à utiliser des graphismes colorés, le RVB, rouge, vert, bleu, les trois couleurs primaires. Et c'est en 1980 qu'un personnage, sans doute le plus connu de tous avec Mario, qui va être créé, c'est Pac-Man, qui va vite devenir la mascotte de l'entreprise et fait partie aujourd'hui de la culture populaire, le premier personnage transmédia de l'histoire, des jeux vidéo, des séries animées ou des jouets, toutes les consoles et ordinateurs auront leur portage, Namco commence à se faire un nom dans le milieu. On est clairement dans l'âge d'or du jeu d'arcade, Namco est bien présent et va enchaîner les titres avec Galaga, la suite de Galaxian, puis Dig Dug, Xevious ou Pole Position 1982, faisant de Namco un des leaders dans le domaine de l'arcade. C'est à cette époque que Namco décide de séparer ses activités en créant une filiale nommée Namcot qui s'occupera de la distribution des jeux sur console qui s'éteindra en 1995 et Namco qui s'occupera de la partie arcade. Quand Namco crée leurs jeux en arcade, ils créent eux-mêmes la borne et le système permettant de jouer. Son premier système s'appelait Warp and Warp en 1978 qui porteront entre autres les jeux issus de la série Biggie et chaque jeu ensuite aura sa propre borne Galaxian, Pac-Man, Galaga jusqu'à 1983 où Namco va créer son système 16, son premier 8 bits en utilisant le fameux microprocesseur Motorola 68000. Une concurrence féroce commence alors entre Namco et Sega pour savoir qui aura le meilleur système d'arcade. Un jour ce sera Namco, le lendemain ce sera Sega. Ils n'ont jamais vraiment pu se départager tant les systèmes étaient assez similaires et utilisaient les mêmes technologies disponibles à l'époque comme le Motorola 68000. Par exemple. Les systèmes d'arcade de Namco se nommeront plus tard Fozon, System 16, Pac-Land, System 86, puis System 1, 2, 21, 22, FL, 11, NB1, 23, 12, 10, 246, jusqu'à le système 357 sorti en 2007, basé sur le sel de la PlayStation 3, sur lequel sortira Tekken 6 par exemple. Dans les années 80, Namco va produire de nombreux jeux typiquement japonais et qui de fait ne sortiront pas du pays. En 1987, ils créeront le jeu Final Lap. On pouvait alors jouer à 8 grâce à une mise en réseau simple de 4 bornes d'arcade à 2 joueurs. Namco se veut un spécialiste des shoot'em up, mais aussi des simulations de voitures en signant des partenariats avec Mazda ou Mitsubishi pour des jeux, des simulateurs de voitures ou des programmes de prévention routière.
Dans les années 80, comme Sega était un concurrent en arcade, Namco snob complètement la Master System, surtout que c'est la NES de Nintendo qui a le plus gros parc de consoles dans le monde. Namco a été un des premiers à porter ses jeux sur la NES. Les ventes sur la console de Nintendo représentent en 1989 presque 40% des ventes de Namco, c'est aussi le cas pour les autres développeurs tiers japonais. Et pour l'ère 16 bits qui débute, encore une fois comme les autres développeurs tiers, Namco commence à critiquer Nintendo de son monopole, de ses royalties trop élevées, le fait de ne pas pouvoir produire plus de 5 jeux par an, en gros les contraintes qui ont fait la force de Nintendo ces années-là. Namco décide de finalement soutenir la Mega Drive de Sega, encore une fois c'est aussi parce qu'elle se vend bien, le marché américain est très important pour Namco. Au début des années 90, Namco va aussi se lancer dans la construction de gigantesques salles d'arcade ou des parcs à thème comme le Namco Wonder Eggs ou le Namco Wonder Park Sagamihara et le Namco Wonder City. Par ailleurs, soucieux de devenir leader sur l'arcade, Namco va fusionner ses entreprises aux États-Unis pour former Namco Cybertainment Inc., qui va racheter des entreprises spécialisées dans l'arcade, va distribuer une multitude de jeux aussi bien de Namco que de la concurrence, Sega, Konami ou Midway. Au fil des années, Namco Cybertainment va devenir le leader mondial, présent dans plus de 1000 sites et dans 48 pays. L'entreprise sera renommée en 2012 Namco Entertainment. On passe à l'ère des 32 bits, Namco se doit d'être présent et innovant dans ce passage de la 2D à la 3D. Il commence par créer Ridge Racer en 1993, une simulation de jeu de course intégrant des graphismes 3D qui fera ensuite le succès de la PlayStation. Et une nouvelle fois, Namco et Sega vont s'affronter dans le domaine des jeux de baston en 3D. Sega produira de son côté Virtua Fighter et Namco créera Tekken, sans doute un des titres les plus connus de la société. En créant Soul Edge, un jeu de combat à armes blanches, Namco devient encore leader sur son segment, les jeux de combat en 3D. C'est aussi Namco qui crée Time Crisis ou Point Blank, des jeux utilisant des light guns, et produit aussi quelques jeux de baseball. Grâce à son réseau, Namco va aussi devenir éditeur de jeux vidéo, principalement au Japon, pour une bonne centaine de jeux, mais va aussi produire beaucoup de jeux vidéo qui ne sortiront qu'au Japon. Dans le reste du monde, on connaît surtout les licences Soul Calibur, Tekken, Splatterhouse, les rééditions des jeux Pac-Man, Ace Combat, une simulation d'avion de combat sera aussi assez populaire sur les consoles PlayStation, ou encore Klonoa Ridge Racer. Avec l'arrivée de la Wii et sa console virtuelle, Namco en profitera pour ressortir de ses vieux cartons tous les titres qui ont fait son succès dans les années 80 et 90, comme ils avaient fait avec la PlayStation en sortant les Namco Museum, volume 1 à 5, des compiles d'anciens jeux Namco. Mais venons-en maintenant à la fusion entre Bandai et Namco, puisque nous sommes en 2005. Bandai exerce son activité dans le développement de logiciels, ainsi que la production d'effets spéciaux pour des séries animées japonaises. Bandai est aussi un des leaders mondiaux dans la fabrication de jouets depuis les années 70, avec des licences populaires telles que Tamagotchi, Godzilla, Digimon ou Power Rangers. Voulant devenir un peu plus leader mondial, Bandai et Namco décident de fusionner pour devenir en mai 2005 la holding Namco Bandai Holding Inc., devenant une des plus grosses entreprises dans le secteur du jeu vidéo au Japon. Les activités des deux entreprises se complètent pour dominer le secteur. En 2006, Namco, qui est devenue une filiale, fusionne avec la section jeux vidéo de Bandai pour former Namco Bandai Games. Alors c'est le nom en Occident, puisqu'apparemment le nom au Japon est l'inverse, Bandai Namco Games. Vous pas trop compris, puisqu'en 2014, le nom final sera Bandai Namco. Mais bref, peu importe, vous avez compris. Aujourd'hui, Bandai Namco est une sorte de conglomérat opérant dans différents secteurs, les jeux vidéo bien sûr, développement et édition, les jouets, les séries animées, les parcs de loisirs, la vidéo, la musique ou la publicité, les sous-filiales des filiales sont très nombreuses. Namco continue donc à faire vivre ses licences phares dans le jeu vidéo, demeure un des leaders mondiaux dans le domaine de l'arcade suite à la chute de Sega, qui demeure toujours présent en arcade mais un peu moins. D'ailleurs en 2002, Sega, Namco et Nintendo s'étaient associés pour créer un système d'arcade nommé Triforce, en référence à la série Zelda, qui était basée sur l'architecture de la GameCube. Le dernier système d'arcade de Namco en date, c'est le système ES3, sur lequel tournent des jeux comme Tekken 7, déjà sorti au Japon, ainsi que Time Crisis 5. Comme nous l'avons vu dans cette chronique, Namco a été un des précurseurs dans le monde du jeu vidéo, quand le Japon commençait à prendre son envol, qui s'accentuera après le crack du jeu vidéo en 1983. Les jeux sur NES puis sur la PlayStation ont fait le succès des consoles et de Namco, se créant une excellente réputation. Aujourd'hui, c'est surtout l'arcade qui occupe la filiale Namco, et même si l'arcade a quasiment disparu en Occident, Namco continue fortement son activité au Japon. Même s'il ne crée plus beaucoup de jeux, plus beaucoup de nouvelles licences, il se repose principalement sur les licences Soul Calibur, Tekken ou Ridge Racer, et de son côté, Bandai exploite à fond tout ce qui vient du manga, tel que One Piece ou Naruto par exemple. Alors pour tous les fans de rétro gaming, Namco est une entreprise marquante, elle a produit des jeux cultes voire ultra cultes. Si vous avez accès à des émulateurs d'arcade ou NES, je vous conseille d'essayer les jeux Namco, histoire de pas mourir idiot. C'était il y a quand même 30 ans, mais c'était des jeux qui inventaient des genres dans une industrie où tout était à faire. Un petit sondage pour finir venant des États-Unis, 94% des gens interrogés connaissaient Pac-Man contre 93% pour Mario, ça veut tout dire, et c'est Namco qui l'a fait.
Merci d'avoir suivi cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, Namco, c'est pas la société super à la mode en ce moment, mais ça faisait un moment que je voulais la faire. Je commence à avoir fait le tour de ces grosses entreprises japonaises qui ont tant fait pour le jeu vidéo dans les années 80. Me manque peut-être plus que Taito, peut-être pour une prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo, un like, c'est aussi un soutien, merci à vous. On se retrouve rapidement pour une nouvelle chronique sur ma chaîne, à bientôt, ciao.